Salut tout le monde, c'est Snipey pour la suite de notre aventure sur Mass Effect. Donc je suis un peu crevé, donc le live va pas être très long. Je pense qu'on va terminer la planète qu'on a commencé lors du précédent live. Donc à savoir, là où on était rendu, on était à l'endroit où se trouvait le canal. Et on a rencontré le méchant, Garrus, je crois. Et je sais plus comment il s'appelle. Ou ça, non, c'est Saren. Saren, et donc il était lui aussi sur cette planète, et c'est un peu une course contre la montre. Ça va être à qui sera le plus rapide pour accéder au canal. Donc hop, je vous mets l'image. Le son du jeu, normalement, je vérifie ça tout de suite. Ça devrait être bon. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Saren, Garrus, c'est ton pote. Voilà, mais ils font partie c'est la même race en fait d'aliens, donc du coup je les confonds un peu. Mais c'est Saren, oui. Et donc voilà, on s'est arrêté ici. Et juste avant le live, j'ai essayé de regarder un petit peu la rediff. Et j'ai remarqué que je n'avais pas ouvert ce truc-là. Hop. Et j'étais passé devant, mais sans vraiment regarder. Et donc voilà, on était rendu ici. On devait un petit peu fouiller les environs. Il me semble qu'il fallait que je descende directement, mais vu que je n'ai pas fouillé ici, pourquoi pas le faire maintenant? En tout cas, la suite de cette planète risque d'être vraiment intéressante. Par contre, il n'y a rien ici. Je sais pas du tout où je vais. Voilà, il y a du people. Mon Dieu. Il y en a partout. Voilà. J'ai plus de grenades. On va attendre que la précision remonte et on le mitraille. Ça, pour le moment, je gère plutôt bien. Et voilà. Et salut à toi, Natalia. Je sais pas si je t'ai dit bonjour sur le live. Voilà, il y a encore du people par là-bas. Ah, c'est ceux qui sautent là. Ils aiment pas trop. Ils sont un peu trop rapides à mon goût. Par contre, comment je fais? Je peux pas monter, moi? Ah, si. Tu vas y arriver, Vrex? T'es pas un peu gros? Ah, l'ascenseur. Bon, on va prendre cet ascenseur. Écoutez, je sais pas du tout si je vais vers le bon endroit, mais en tout cas, on découvre une zone qu'on n'a pas découverte dans le précédent live. Cet endroit est toujours alimenté. Il doit y avoir un générateur. On dirait le centre de commande de tout ce complexe. Les troupes de Saren ont dû sceller les portes d'ici. Avant de pouvoir entrer dans ce bunker, il va falloir trouver comment désactiver le verrouillage de sécurité. D'accord. Merci de me dire ce que je dois faire, parce que là j'étais un peu perdu. J'avançais sans savoir mon objectif, mais là maintenant on sait ce qu'on doit faire. J'aime pas beaucoup ça. Oula. Wow, une roquette. Wow. On se calme, s'il vous plaît. Merde. Ah merde, je vais crever. Ok, merci d'être passé, hein, ça fait plaisir. Alors là, je sais pas trop comment je vais faire. C'est dans cette zone. Alors du coup, je dois, ouais, je recommence du début. Bon, je vais essayer d'avancer vite là.
Désolé pour ce petit fail dès le début. J'ai pas pris mes précautions. Ça ne se reproduira plus. D'ailleurs, en parlant de précautions, est-ce que j'ai des armes intéressantes? Fusil à pompe, non. J'ai vraiment rien. Ouais, rien de bien. Bon, bah, désolé. Comme ça, ceux qui arriveraient en retard, s'il y en a qui arrivent là, bien, vous n'aurez rien raté. On n'a pas pris le même chemin et c'est pas plus mal. Et normalement il y en a en haut là-bas. On a ici. Oh, doucement la roquette. Je vais quand même essayer de passer par un autre chemin. Ça se trouve, il serait un petit peu plus safe. Wow. Et ils sont tous morts? Apparemment oui. On peut pas monter par contre sur celui-là. Bon, je vais descendre. Je vais par contre sauvegarder. Comme ça, s'il y a un fail, il n'y aura pas de souci. Juste l'ascenseur à reprendre. Donc du coup ils vont me répéter ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure. Cet endroit est toujours alimenté. Il doit y avoir un générateur, Alois. On dirait le centre de commande de tout ce complexe. Les troupes de Saren ont dû sceller les portes d'ici quand il est entré. Avant de pouvoir entrer dans ce bunker, il va falloir trouver comment désactiver le verrouillage de sécurité. Pas de soucis, monsieur. Là, je vais avancer moins vite. Voilà, je vais les faire venir à moi. Wow, la roquette. Voilà, un soldat en moins. Allez, faut que lui meure. Voilà. Un médigel, ça va faire du bien à tout le monde. Et voilà. Comme ça, il en reste un là-bas. Ah, c'est encore un gros là. Voilà. Donc, décryptage du complexe. Ok, un overdrive. Ah merde, j'y étais presque. Et merde, je vais devoir utiliser un omnigel. Oh tant pis. Enfin, un omnigel, 25 omnigel. T'es quoi toi? T'es un gentil ou t'es un méchant? T'es bizarre. Hop, tente un overdrive manuel.
tu fais que des conneries. Ah, ils sont pas évidents ceux-là. Bon, tant pis. Hop, omnigel. À mon avis, ici, il va y avoir un moment où il va falloir faire très 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 attention. Ah, là, il était facile. Ah, merde. Ouf, voilà. On va quand même pas utiliser tous nos omnigels là-dedans. Ce serait idiot. Bon. On va aller par la gauche. Espérant que ce soit le bon chemin. Parce qu'il y avait soit par la gauche, soit par la droite, moi, apparemment. Ça revient au même. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, Saren a déjà une bonne avance. On doit le trouver avant qu'il n'atteigne le canal. Sauf s'il l'a déjà trouvé. Dans ce cas, on fonce droit dans un piège. C'est un risque à courir. Attendez. Il se passe quelque chose. C'est trop tard. Impossible des flottes d'invasion. T'as pas d'issue. On dirait un message, mais je ne reconnais pas la langue. Du protéin, sans doute. Cet enregistrement a au moins 50 000 ans. Normal qu'on comprenne rien. Le message est morcelé, mais j'ai compris certains mots. C'est une mise en garde contre l'invasion des moissonneurs. Incroyable. L'énigma a dû implanter la connaissance du langage protéen dans votre esprit. Pas en sécurité. Trouvez refuge. Derrière des archives. Qu'est-ce que ça raconte? Vous saisissez quelque chose d'utile? Les moissonneurs. La citadelle submergée. Saint l'espoir. Acte désespéré. Le canal. Tout est perdu. Il mentionnait quelque chose sur le canal, mais je n'ai pas saisi quoi. Nous ferions mieux d'y aller. Impossible à arrêter. Bon. Impossible à arrêter. Ok, ça n'a pas servi à grand chose ici pour le moment. Y a rien d'autre. Non. Ok, bon, bon, on va encore monter plus haut. On va bien voir ce qui se cache là-haut. Donc je pense que je vais terminer cette planète et ensuite le live s'arrêtera là. Ce sera un court live, hein, histoire de ne pas trop vous faire patienter étant donné que cette planète je l'avais commencé pendant le live précédent. Fallait bien que j'essaie de la terminer rapidement. J'aime pas trop vous laisser en suspense comme ça. Et encore un ascenseur. Alors c'est pas le même que j'ai pris, donc là ça va être une autre zone, j'espère que je vais pas mourir. On croise les doigts. En tout cas, on s'approche de la fin du jeu. Je dirais qu'on a fait les trois quarts du jeu là à peu près, si mes souvenirs sont bons. Quelqu'un par là. Faites-vous, monsieur. Tu ne peux pas sauvegarder au cas où. Si. Je peux sauvegarder et je le fais maintenant même. Monsieur le guette. Où êtes-vous? Au revoir, monsieur. Là, il y a mon véhicule pas loin. What? Ah, ils aiment vraiment pas ceux-là. Ah, il y en a plein en plus. Wow, doucement, s'il vous plaît. Hein, pas loin de nous là. Pourquoi je peux pas tirer? Ah d'accord, sur le chauffe. J'ai pas vu.
Donc du coup, je sais pas trop. Décryptage complexe. Attention, c'est complexe, hein. Ils l'ont dit. Merde. Je fasse le corps. Je fais n'importe quoi. Bon, bah, tant pis. Écoutez, utilisez Omnigel. J'ai pas de choix. Et là, c'est bizarre qu'il y a mon véhicule pas loin. On prend tout. Ah, je suis un peu perdu, je vous avoue. On va essayer d'aller par là. Je crois que j'y ai pas été. En tout cas, la zone est assez jolie, je trouve. Plutôt sympa à regarder. Bon. Rex, t'arrives à monter, c'est bon? Il y a eu un sacré paquet de morts. Ça va être bon. Pas de soucis, Rex. On s'en occupe. Je crois que j'ai compris en fait, je tourne en rond. C'est génial. J'ai tourné en rond. Du coup là, je suis vraiment paumé. La première fois que dans le jeu je vais être paumé. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais prendre. Il y avait un ascenseur dans le coin, non? Bon. On va continuer par là, on va bien voir. À mon avis, il faut que je trouve le générateur là. Pour activer la porte qui était verrouillée, mais bon. Voilà, va falloir trouver. Ça va être un peu chiant. Alors, entre le train de Final Fantasy VIII hier et ça aujourd'hui, vous êtes vraiment pas gâtés ces derniers temps. Donc, ça doit être par là. Il n'y a rien du tout. Bon ben, on va remonter, on va faire le chemin inverse hein, qu'on a fait tout à l'heure. J'ai vraiment dû rater quelque chose. C'est peut-être ça là, non? Est-ce que je suis passé ici? Eh bien non. Mais là, je me retrouve au début. Voilà, en gros, j'ai fait tout le tour. Je comprends vraiment pas ce que je dois faire. On va regarder le journal un peu. Alors, trouver le canal censé. Pénétrer dans les archives. Le système de sécurité est désactivé. Retournez à votre véhicule et suivez Saren dans les archives souterrains. D'accord. Je retourne à mon véhicule, tout simplement. Autant pour moi. Bon, heureusement, il est juste à côté. Oula, qu'est-ce que je fais?
Allez, direction les archives. Saren n'a qu'à bien se tenir. Je pensais que Saren nous aurait concocté un piège. Il devait vraiment être pressé. Brex toujours aussi prévoyant. Alors, est-ce qu'on va y arriver à temps? Suspense, suspense. Qu'est-ce que c'est que ces choses au mur? Des conteneurs? On dirait des modules de stase. Les protéans ont essayé de survivre. What? Oh, la roquette là. Ok, il y a des saletés ici. Quand ils ont volé. De gauche là, on arrive. Ah, c'est quoi ce truc là? C'est bizarre. Un piège. Saren nous a tendu une embuscade. Ah bon? J'ai pas l'impression que Saren soit mêlé à tout ça. Ouais. D'accord, faut que je descende. Ça, c'est un peu bizarre là. J'avais oublié tout ça. En même temps, ça fait très longtemps que j'avais pas joué au jeu. J'ai hâte de faire la Mass Effect 2. À votre avis, qu'est-ce qu'on va trouver là-dessous? Parce que celui-ci est vraiment différent au niveau du système de leveling, etc. Il y a un côté RPG qui est en moins, je trouve. Le jeu est plus basé action. Mais je trouve que c'est un bon changement. Vous n'êtes pas protéin, mais vous n'êtes pas une machine. C'est pour cela que nous avons lancé notre avertissement à travers les balises. On dirait une espèce d'IV dans un sale état. Je ne perçois pas la corruption de l'endoctrinement en vous, contrairement à celui qui est passé il y a peu. Il reste peut-être encore un espoir. Donc sa reine serait manipulée. Comment se fait-il que je vous comprenne? Pourquoi vous ne parlez pas la langue des protéins? En me basant sur vos communications depuis votre arrivée en ce lieu, j'ai traduit mes données dans un format compréhensible pour vous. Mon nom est Vigile. Pour l'instant, vous êtes en sécurité ici. Mais cette situation est susceptible d'évoluer. Bientôt, plus aucun endroit ne sera sûr. Pourquoi me faire venir ici? Il vous faut briser un cycle qui se répète depuis des millions d'années. Mais pour réussir, vous devez comprendre ou vous répéterez les mêmes erreurs que nous. La citadelle est le cœur de votre civilisation, le siège de votre gouvernement. C'était également le nôtre et celui de toutes les civilisations qui nous ont précédés. Mais la citadelle est un piège. Cette station est en fait un gigantesque relais cosmodésique communiquant avec l'abîme, le néant qui s'étend derrière l'horizon de la galaxie. Lorsque le relais de la citadelle sera activé, les moissonneurs déferleront. Ce sera la fin de votre civilisation. S'il active le relais, les moissonneurs ne feront qu'une bouchée du Conseil et de sa flotte. C'est ce qui nous est arrivé. Nos dirigeants avaient été tués avant même que nous ayons pris conscience de l'attaque. Les moissonneurs ont pris le contrôle de la citadelle, et donc des autres relais cosmodésiques. Nos capacités de communication et de transport étaient dès lors paralysées. Chaque système isolé, coupé du reste de la galaxie. Une proie facile pour les flottes de moissonneurs. Plusieurs décennies durant, les moissonneurs ont exterminé méthodiquement notre peuple, monde par monde, système après système. Un génocide
total. Certains d'entre vous ont dû survivre. Grâce à la citadelle, les moissonneurs avaient accès à toutes nos archives, cartes, données de recensement. L'information, c'est le pouvoir. Ils savaient tout de nous. Leur flotte explorait chaque région peuplée de la galaxie. Certains mondes ont été totalement détruits, d'autres soumis, leur population réduite en esclavage. Ces serviteurs endoctrinés sont devenus des agents dormants au service des moissonneurs. Recueillis en tant que réfugiés par les autres protéens, ils ont trahi leurs frères au profit des machines. En quelques siècles, les moissonneurs avaient tué ou asservi jusqu'au dernier protéen de la galaxie. Ils étaient implacables, brutaux et parfaitement méthodiques. Vous avez dit que vous m'aviez fait venir ici pour une raison. Dites-moi ce que je dois faire. Le canal est la clé. Avant l'attaque des moissonneurs, nous étions sur le point de percer ce mystère de la technologie que sont les relais cosmodésiques. Ilos était un complexe secret. Les chercheurs y développaient une version miniature d'un relais cosmodésique directement connecté à la citadelle, le point névralgique du réseau de relais. Le canal n'est pas une arme. C'est un accès à la citadelle. Que s'est-il passé ensuite? Nous avons coupé toutes les communications avec l'extérieur pour nous dissimuler. Le personnel a trouvé refuge sous terre parmi ses archives. Pour économiser les ressources, tout le monde a été placé en cryostase. J'avais été programmé pour contrôler ce complexe et réveiller le personnel lorsque le danger serait passé. Mais le génocide d'une espèce est un processus long et lent. Les années ont fait place aux décennies, puis aux siècles. Toujours les moissonneurs étaient là, et mes réserves énergétiques diminuaient. Comment avez-vous survécu? J'ai d'abord désactivé les systèmes de survie du personnel non essentiel. En premier, le personnel d'entretien, puis de sécurité. Un à un, j'ai débranché leurs modules pour économiser l'énergie. Au final, il ne restait que les modules des scientifiques. Et même ainsi, l'énergie allait bientôt manquer lorsque les moissonneurs sont retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle. Il y avait des centaines de modules. Vous les avez déconnectés? Vous les avez tués? Vous étiez programmé pour les protéger, pas pour les tuer. Cet événement n'était pas totalement imprévu. Mes actions étaient la résultante d'une procédure d'urgence programmée lors de ma création. Je parie qu'ils n'ont pas parlé de ce plan de secours au personnel non essentiel. J'ai sauvé les éléments les plus importants du personnel. Lorsque les moissonneurs sont repartis, les meilleurs chercheurs étaient encore en vie. S'il reste de l'espoir, c'est uniquement grâce à mes actions. À leur réveil, les chercheurs ont compris qu'il n'y avait plus aucun espoir de sauver les protéens. Ils n'étaient qu'une douzaine, bien trop peu pour maintenir une population viable. Et pourtant, ils ont juré de trouver un moyen d'empêcher les moissonneurs de revenir. Une solution pour briser le cycle à tout jamais. Ils savaient que les veilleurs en étaient la clé. Je croyais que les veilleurs obéissaient aux moissonneurs. Les veilleurs sont contrôlés par la citadelle. Avant chaque invasion, un signal est diffusé dans la station qui ordonne aux veilleurs d'activer le relais de la citadelle. Après des dizaines d'années de recherche, les scientifiques ont découvert un moyen d'altérer ce signal. En utilisant le canal, ils ont pu accéder à la citadelle et opérer les modifications. Cette fois, quand Sovereign a envoyé le signal à la citadelle, les veilleurs l'ont ignoré. Les moissonneurs sont pris au piège dans l'abîme. Moins que ça réussisse, ils peuvent revenir. Sovereign doit avoir un plan pour défaire tout ce que vous avez fait. Celui que vous appelez Sarène utilisera le canal pour franchir les défenses de la citadelle. Une fois à l'intérieur, il transférera le contrôle de la station à Sovereign. Sovereign accédera manuellement au système de la citadelle et ouvrira le relais. Alors le cycle d'extermination recommencera. J'arrêterai Sarène. Dites-moi simplement comment. Vous trouverez un dossier dans ma console. Faites-en une copie avant de partir. Quand vous serez devant l'unité de contrôle principale de la citadelle, chargez le fichier dans la station.
Il corrompra les protocoles de sécurité de la citadelle et vous donnera temporairement le contrôle de la station. Vous aurez peut-être une chance contre son règne. Attendez, où se trouve l'unité de contrôle principale de la citadelle? J'en ai jamais entendu parler. Empruntez le canal, suivez sa reine, il vous mènera à destination. Qu'est-il arrivé aux survivants du projet Canal? Ils ont utilisé le canal pour accéder à la citadelle, mais ce n'est qu'un prototype. Le portail ne fonctionne que dans un seul sens. Ils étaient donc pris au piège dans la citadelle. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Il est peu probable qu'ils aient trouvé de la nourriture ou de l'eau sur la station. Je crains qu'ils n'aient souffert une mort lente. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont parvenus à sceller le relais. Votre présence ici prouve que leur sacrifice n'a pas été vain. Ok. Saren a suffisamment d'avance. On prend le fichier et on y va. Celui que vous nommez Saren n'a pas atteint le canal. Pas encore. Il reste un espoir si vous faites vite. Donc on doit chercher ce fameux virus, enfin dossier, pour empêcher Saren de prendre le contrôle de la citadelle, enfin Sovereign. On est vraiment proche de la fin du jeu. Dire que tant de races considèrent les protéens comme la civilisation ultime. Pourtant, ils sont tombés dans le piège des moissonneurs. Ils ont échoué. Donc les scientifiques, retenez bien ça, ils ne savent pas ce qui leur est arrivé, ils pensent qu'ils sont tous morts de faim. Il faudra retenir ça, c'est très important pour les prochains Mass Effect. C'est une chose que j'avais oubliée et maintenant je comprends mieux une certaine chose. Mais je ne vous en dis pas plus. Vous comprendrez, je pense, du coup, vous aussi directement au moment présent. Hop. Je dois y aller en véhicule ou pas? En tout cas, ouais, c'était très intéressant. Ça a rafraîchi ma mémoire un petit peu. Le sceau de la mort. Ah, il y a une espèce de tourelle dans le coin ou un gros guette. J'avance doucement. Oh putain, ils sont pleins. Je suis pas dans une position correcte là. C'est un peu n'importe quoi. Donc c'est un gros guette. Je devrais pas avoir trop de mal à le tuer normalement. Un gros guette, c'était toujours bizarre. Ah oui, c'est un gros guette. C'est vrai que je pourrais utiliser le nom qui est affiché sur le jeu, mais non. Là, c'est un gros guette. Oh là, comment j'ai tourné d'un coup là, mon dieu. En tout cas, le jeu, ouais. J'hésite, je vais voir comment ça se passe après cette planète. Parce que ça se trouve, c'est vraiment la fin après. Wow. Doucement, calmez-vous. Ils étaient pas plus nombreux que ça? J'aurais pensé, mais non. Apparemment, non. Encore des guettes là-bas. Des roquettes. Attendez, je vais réparer un petit peu le véhicule parce que j'avais les pneus avant qui étaient éclatés.
Et voilà, on est bon. Par contre, j'espère que je me dirige vers le bon endroit. Là, le canal, c'est incroyable. Pas le temps d'admirer le paysage. Il faut atteindre le relais et ces guettes ne nous feront pas de cadeaux. Alors peut-être que le dossier me l'a donné directement. Activez les défenses. Scellez la station. Les bras ne bougent pas. Les systèmes sont paralysés. Abandonnez la citadelle. Faites évacuer le conseil. PC citadelle. Vous me recevez? Et donc, voilà, ils sont en train d'attaquer la citadelle. Est-ce qu'on va arriver à temps? Wow. Ils sont... Oh, il y en a plein. C'est que des gros en plus. Ça va s'ouvrir. What? Faut que je me dépêche en fait. Faut pas que je les tue. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'était quoi, c'est... J'avoue qu'ils avaient des voix, j'aurais mis plutôt des voix féminines à ces personnages, et il avait une voix un peu bizarre. Surveillance présente des défaillances critiques. Veuillez lancer les procédures d'évacuation. Donc ouais, c'est la fin du jeu, donc je vais le terminer pendant ce live. Et on enchaînera ensuite sur Mass Effect 2. Ce sera Mass Effect 1. Alors, hop, on prend le kit médical. Tous les systèmes sous surveillance présentent... Ouais, dégage. Merci Vrex. Donc la citadelle là est dans un sale état comme vous pouvez le voir. J'espère qu'on est arrivé à temps. J'avoue que ça va être compliqué pour les quêtes secondaires, à moins qu'une fois le jeu terminé, la citadelle retrouve sa forme d'origine. Voilà, Sovereign se connecte au noyau de la citadelle.
Salut Hayato. Tu arrives pour la fin du jeu. Saren a verrouillé l'ascenseur. Enfilez vos scaphandres. On va se faire une virée. Et tu as raté une info essentielle pour le Mass Effect 2. Mais bon, tu auras la rediff sur YouTube si ça t'intéresse. Donc là, il n'y a plus de gravité. Change beaucoup de choses. Alors, désolé, on m'a un peu dérangé. Alors, donc oui, je dois me diriger vers Saren. Mais voilà. Bienvenue, bien sûr, il n'est pas venu tout seul. Oh putain, la roquette, je l'avais pas vu. J'ai de la chance de l'éviter. Il est venu avec ses copains. Ce qui nous tire dessus, là. Toi, plus portant, tu prends cher. Pas de soucis, Hayato, hein. Sois pas désolé. Au moins, toi, tu es venu, contrairement à ceux d'hier de Final Fantasy qui disaient qu'ils voulaient un live sur Final Fantasy. Et, là, personne n'est venu, à part Matalia. Et bon, ça, c'est pas grave. Ah putain, il y a des crogades. Voilà. En plus de ça, on a monté de niveau. Il est mort là ? Ouais, c'est bon, j'ai eu peur. Il est où ? Je crois que Rex l'a tué, mais je suis pas sûr. Doucement les copains. Ouais, il y en a quand même beaucoup ici. Bon, j'ai monté de niveau, j'ai en profité pour augmenter mon armure de combat. Vrex, tu vas augmenter ton fusil à pompe. Et Garus, tu vas augmenter ton électronique. Contre les gars, ça va être efficace. Pas de soucis, Hayato, t'inquiète. Ah, ceux-là n'ont pas l'air très résistants. Je vais essayer de ne pas avancer trop vite non plus. Je ne veux pas encore failer. Elle est pas mort, mais... Merde. What? D'accord. Hop. Voilà, la roquette là. Je te fais récupérer un petit peu de points de vie là. Je crois qu'il était dans le rouge. Puis, de toute façon, vu que je suis limité à 5 medikits, et eh bien, comme ça, si j'en trouve un sur mon chemin, je pourrais le ramasser. Ah, bien joué Vrex pour ta roquette. Oh putain. Ah, la gamelle.
lui aussi il a des requêtes. On pourrait prévenir quand même. Ah non, c'est lui qui nous a... Wow. Ah, la roquette, j'ai senti passer là. Il est mort lui, hein. Ouais, c'est bon. Alors, tourelle de défense. Ok, je suppose qu'il faut que je l'active. D'avancer. Ce qui commence à être chiant avec leur bouclier. Voilà. Putain, il est pas mort. Il s'est relevé comme ça d'un coup, il m'a surpris. Ah mais merde. What? Mais tu sors d'où toi? Il y en a encore un juste à côté de moi. J'attends que la tourelle fasse le travail, je pense. C'est elle qui lui fait des dégâts. Hein. Moi, je peux pas lui en faire, il me semble. Hop. Ah ah, dégage, c'est ça. T'es nul, de toute façon. Wow, il y a encore un Krogan. Prenez ça. Et j'ai plutôt bien misé avec la grenade. Toi. Oh putain. Alors là, il a volé grâce à gravité de l'oak là, son pouvoir magique. Un magique. C'est pas vraiment le bon mot. Hop, hop, hop. Oh, attendez, on a monté de niveau. Donc, armure de combat, hop, régénère une partie encore plus grande des boucliers. Ah, ça, c'est cool. Mon cher Vrex, augmenter. Ta stase, quoi que j'hésite. On va plutôt augmenter son armure à lui aussi. Et toi, toujours ton électronique, par contre. Hop. Voilà. Alors là, ça sent le piège. Il veut pas se montrer lui. Voilà. Ah mais oh. Ah, je sens que ça va être la merde ici. Ça va être le bordel. Hop, hop, hop. Ok, ils ont un truc lanceur de roquettes là. Bon, c'est bon. Mes copains l'ont défoncé. Ça n'empêche que je me fais encore canarder. Allez. Juste attends avant que mon arme surchauffe. Pourquoi je peux pas passer ici? Je suis obligé de passer sur la droite.
allez, la tourelle. Voilà. Comme ça qui me fait le plus peur. Il y en a une autre là. C'est bon. En vrai, que tu vas peut-être avoir besoin d'énergie. Ils ont tous des lance-roquettes ici, hein, c'est pas possible. Moins que ce soit une autre tourelle qui nous tire dessus. C'est ça, c'est cette toile qui vient d'être faite exploser. En tout cas, je me remplis les poches là, hein. 3600 dollars, on va dire ça comme ça. Je sais pas trop c'est quoi la monnaie du jeu d'ailleurs. Si quelqu'un le sait, hein, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que c'est par là? C'est calme, trop calme. Alors, je vais sauvegarder, parce que ça fait un moment que j'ai pas sauvegardé. Alors, on était encore sur Ilos quand j'ai sauvegardé. Et là, c'est parti. D'accord, on se retrouve dans un ascenseur direct. Donc il me reste 4 trousses de soins, donc c'est plutôt bon pour le boss. Je t'ai vu toi là-bas. Je vous ai vu, messieurs. Je peux pas te montrer. Allez. S'il te plaît, meurs. Non. Toi aussi. Et toi aussi. Heureusement que mon arme est plutôt bonne, je trouve. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais les mods que j'y ai mis dessus sont plutôt très 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 puissants. Alors, on va reculer, on va essayer de faire en sorte que les ennemis viennent à moi. Allez, venez. Peut-être pas vos rondoudous. Ah, ils veulent pas venir. Il va falloir que je cours. À couvert. Voilà. Allez, on court, on court. On le contourne. Et on le shoot. Je suis sûr que... Bah là on est à la citadelle, Hayato. La citadelle se fait attaquer. Non, c'est là, c'est ici qu'il y avait le conseil. Rappelez-vous. Rappelez-vous. De la mort. Oh, oh, je suis sérieux. Je craignais que vous n'arriviez pas à temps, Shepard. Attends. Attends pourquoi? Mais pour la confrontation finale, voyons. Vous deviez vous y attendre quand même. Vous êtes consciente d'avoir perdu, n'est-ce pas? Dans quelques minutes, Sovereign aura le contrôle total des systèmes de la citadelle. Les relais s'ouvriront. Les moissonneurs seront de retour. J'ai encore quelques tours dans mon sac. Vous avez survécu à notre rencontre sur Vermir. Mais j'ai changé depuis. Je suis plus fort. Sovereign m'a perfectionné. Vous avez laissé Sovereign vous modifier? C'est de la folie. Je crois que je vous dois des remerciements, Shepard. Après Vermir, je n'ai pas arrêté de penser à ce que vous avez dit à propos de Sovereign et de l'endoctrinement. Le doute a commencé à m'envahir. Sovereign a senti mon hésitation et il m'a conféré des implants pour renforcer ma détermination. Maintenant, mes doutes se sont dissipés. J'ai une foi totale en Sovereign. Je comprends que les moissonneurs ont besoin d'êtres de chair. Rejoignez-nous et Sovereign vous trouvera une utilité. Sovereign vous contrôle par vos implants. Vous êtes aveugle. C'est une relation symbiotique, un mélange d'organique et de mécanique, l'union de la chair et du métal, le pouvoir des deux sont les faiblesses.
Je suis l'incarnation du futur, Shepard. L'évolution de toute vie organique. Tel est notre destin. Rejoignez Sovereign et acceptez cette renaissance. Ils vont vous trahir. Les moissonneurs n'acceptent pas les êtres de chair. Ils les dévorent ou les anéantissent. Dès que leur conquête sera finie, ils vous détruiront. Je n'avais pas le choix. Vous avez eu les visions. Vous savez ce qui est arrivé aux protéins, la soumission ou la mort. Il n'y a pas d'autre alternative. Vous auriez pu résister et faire front, mais vous avez préféré vous soumettre, courber les chines. Vous avez peut-être raison. Il reste peut-être une chance de... Les implants... Sovereign est trop fort. Je suis désolé. C'est trop tard pour moi. Il n'est jamais trop tard, Saren. Il y a encore un moyen d'arrêter ça, si vous en avez le courage. What? J'avais oublié ça. Ah non, c'est moi, je me souviens. Vous allez voir. Vite, faut qu'on mette le virus. Le fichier de données de Vigil a fonctionné. Je contrôle tous les systèmes. Vite, déployez les bras. La flotte peut peut-être abattre Sovereign. Essayez d'ouvrir un canal de transmission. Une destinée ascension. Propulseurs principaux désactivés. Barrière cinétique à 40%. Le conseil est à bord. Je répète, le conseil est à bord. Normandie à Citadelle. Allez, dites-moi que c'est vous, commandant. Je suis là, Joker. On a reçu l'appel de détresse, commandant. Je suis dans le secteur Andorra, avec toute la flotte d'Arcturus. On va pouvoir sauver l'ascension, déverrouiller les relais autour de la citadelle, et on arrive à la rescousse. Ne me dites pas que vous allez sacrifier des vies humaines pour sauver le Conseil. Eux qui n'ont jamais levé le petit doigt pour votre espèce. Ça ne se résume pas à l'humanité. Sovereign est une menace pour toute espèce organique de la galaxie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas gâcher les renforts en essayant de sauver le Conseil. Gardez-les en retrait jusqu'à ce que la citadelle déploie ses bras. Et c'est là que la flotte humaine pourra attaquer Sovereign. À vous de décider, commandant. On sauve l'ascension maintenant ou on attend? Eh bien, je vais dire, on sauve le Conseil. Alors pourquoi je choisis ce choix-là? Tout simplement parce que quand je joue à Mass Effect 2 sans sauvegarde de Mass Effect 1, et bien le conseil est mort. Et donc du coup j'ai envie de voir un petit peu ce qui va apporter, enfin ce que ce choix va apporter de nouveau dans Mass Effect 2. Et donc je vais choisir de sauver le conseil. J'ouvre les relais, Joker. Il faut sauver l'ascension à tout prix. J'espère que le conseil appréciera. À tous les vaisseaux, sauvez le Destiny Ascension. Commandant, les renforts arrivent. C'est l'Alliance. La déesse soit louée. Qu'il est mort. Et de deux balles dans la tête.
Merci, Vrex. Il est mort. Et voilà, donc là, on se bat pas contre Saren, on se bat contre Sovereign. Qui me court après ? Et mon arme. Mais il fait que de me... Je peux pas le toucher. Ah, faut que je switch d'arme peut-être. Merde, ça c'est le sniper. Voilà. Alors les copains, Vrex fusil à pompe, toi ok. Je vais mettre ça. Hop. J'ai fait vraiment presque rien en dégâts. Ah si, ça y est, ça commence à bouger au niveau des dégâts. On va bien vous soigner, les copains. Est-ce que Sovereign va céder? Négatif, c'est notre seul espoir. Il faut absolument le détruire, coûte que coûte. Comme dit Matalia, Vrex a eu très mal là. Hop. Je vais plutôt mettre ça. Attendez, endommage tous les boucliers ennemis, non. Neutralise temporairement les capacités cliniques des biotiques des ennemis dans la zone d'effet. Je dois faire ça. Il bouge vite le bougre. Tiens, hop, ça. Vaut mieux être protégé là que faire des dégâts, je pense. What, il est où? C'est quoi ça? La cible est dans un champ en stase, vas-y. Essaye de lui faire, mais ça m'étonnerait que ça marche contre lui. Allez, on y croit. Non, pas le sniper. Contre lui, c'est même pas la peine d'y penser. Je suis pas assez bon. Waouh, 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 doucement, doucement.
ça Rey, s'il te plaît. Enfin, sauve Rey. Wow. Il m'a fait mal. Allez. Oh merde! Il avait presque plus d'énergie. Ah, oh, je suis dégoûté. Bon, du coup, on reprend où? Je suis sauvé. Ok, on reprend ici. On recommence le combat au début, mais bon, c'est pas grave. Ah, j'étais bien parti, je suis dégoûté. Alors Vrex, prends ton fusil à pompe quand même. On augmente les boucliers de mes coéquipiers. Je me débrouille mieux que tout à l'heure. C'est Sovereign cette bestiole idiote, Hayato. Tape la cinématique. Je peux pas la passer. Non. En tout cas, la scène est vachement jolie, je trouve. Et vous allez voir que dans Mass Effect 2, graphiquement, ils ont fait un plus grand effort que dans celui-ci encore. C'est notre seul espoir. Il faut absolument le détruire. Mass Effect 2 est beaucoup plus beau que le 1. Il a récupéré son armure. Vrex renforce la protection de votre armure et diminue donc les dégâts que vous subissez. Très bien. Endommage tous les boucliers ennemis dans la zone d'effet. Ça aussi c'est bien. Ça et ça, tant qu'à faire. Allez, bouge trop vite, saloperie. Moi, j'y pense jamais, mais je ne prends pas assez mes propres magies à moi. Ah, magie. Capacité. Oh putain, Garus est mort. Cours, cours, cours. Pourquoi je m'arrête comme ça d'un coup? Un vrai que ça, attention à toi. On y est presque. Il a bientôt plus d'armure. Mon Vrex, mais pourquoi t'as pas gardé? Renforce la protection de votre arme. Ok, très bien ça. Hop. Ah, je suis tout seul, hein. Mon dieu, ce face à face ne me plaît pas beaucoup. Ouais, on va rester là. Wow, wow, wow. Vite, mon armure remonte, s'il te plaît. Mon armure remonte.
C'est bon, elle est remontée. Allez, on y croit. Wow. Il est où ? Il est là. Allez, armure, petite armure, s'il te plaît. Où il est ? Mon Dieu. Non, non, je ne suis pas du tout en stress. Vous permet de réanimer immédiatement un coéquipier. Ah, ça c'est bien ça. Hop, revenez les copains. J'avais pas vu que j'avais ce genre de pouvoir. Allez, faut qu'il meure. Mais je vais pas avancer trop vite là. Je vais leur dire eux de l'attaquer parce que là c'est dangereux pour moi. Hop. Allez, on y va. Poussez-vous. Putain, heureusement que j'ai réussi à reculer parce que là. Là, merde. Mais dégagez, mais foncez-lui dessus. Merde. Dégagez. Voilà. Et donc Sovereign est battu. Nous avons sauvé la citadelle et le conseil. Allez-y, balancez-vous de la sauce. Portez-vous sur mon aile. On y va. C'est vrai, Natalia. C'est un sacrifice. Capitaine Anderson, par ici, les voilà. Calme, tout est fini. Vous êtes en sécurité. Où est le commandant? Où est Shepard? Mais non, Shepard n'est pas mort.
Ambassadeur, capitaine, commandant Shepard. Nous sommes réunis ici pour reconnaître officiellement la contribution des forces de l'Alliance dans la guerre contre Sovereign et les Guettes. De nombreux humains ont perdu la vie dans la bataille de la Citadelle. De braves soldats qui n'ont pas hésité à se sacrifier pour que nous, membres du Conseil, puissions vivre. Il n'existe pas de plus grand sacrifice, et nous partageons tous la peine qui vous accable. Le Conseil a également une dette personnelle considérable envers vous, commandant. Une dette dont il ne pourra jamais s'acquitter. Vous n'avez pas seulement sauvé nos vies, vous avez aussi sauvé des billions de vies menacées par Sovereign et les Moissonneurs. Commandant Shepard, vos actes héroïques et désintéressés sont le symbole de tout ce que représente l'humanité et l'Alliance. Et s'il n'est pas en notre pouvoir de ramener parmi nous les vaillants soldats qui ont donné leur vie pour sauver les nôtres, il est de notre devoir d'honorer leur mémoire par des actes. L'humanité a démontré qu'elle était à même de défendre la galaxie. Par vos actions, vous avez prouvé que vous méritiez de rejoindre nos rangs et de siéger à nos côtés au Conseil de la Citadelle. Conseillère, au nom de l'humanité et de l'Alliance, nous vous remercions de l'insigne honneur que vous nous faites et acceptons humblement votre proposition. Nous aurons besoin d'une liste des candidats potentiels au siège concilien de l'humanité. Au vu des récents événements, je ne doute pas que votre recommandation pèse lourd dans la balance, commandant. Avez-vous un candidat à proposer ? Le capitaine Anderson. Ou l'ambassadeur Udina. Udina, depuis le début, il me fait chier, lui. Le maître Anderson, c'est mieux. Il nous faut un représentant qui ait le courage de ses convictions. Quelqu'un comme le capitaine Anderson. Lui, vous plaisantez. Anderson ne connaît pas d'autre langage que la force. Un langage qui vous va bien, ambassadeur. En êtes-vous bien sûr, commandant ? Le capitaine est un soldat, pas un politicien. Justement. Il n'y a que trop de politiciens à la Citadelle. Le capitaine conviendra parfaitement à ce poste. C'est un choix judicieux. Si le capitaine accepte cette charge, le Conseil l'accueillera comme il se doit. C'est un honneur, conseillère. En tant que représentant de l'humanité, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour œuvrer à la reconstruction. La défaite de Sovereign marque le début d'une nouvelle ère pour l'humanité et le Conseil. Les moissonneurs reviendront, il reste à faire. Je vais lui dire que les moissonneurs reviendront. Sovereign n'était que l'avant-garde de l'invasion. La flotte des moissonneurs arrive. Des centaines de vaisseaux, peut-être des milliers. Et je trouverai un moyen de les arrêter. Là, le bug. Shepard a raison. L'humanité est prête à remplir son rôle. Si nous travaillons main dans la main avec les autres races conciliennes, nous aurons la force de relever tous les défis. Quand les moissonneurs viendront, nous devrons être prêts. Il nous faudra faire bloc contre l'envahisseur et ensemble, nous le renverrons au néant. Et voilà, fin de Mass Effect. J'espère que ça vous aura plu, ce let's play qui, ma foi, était plutôt court. Je pensais qu'il allait être plus long. Mais en fait, il reste le 2 et le 3 à faire. Donc, on n'en a pas terminé avec Mass Effect. Et puis, qui sait, ça se trouve, d'ici là, que je termine le 3, le 4 sera sorti. Ça serait vraiment génial. On verra bien. Et donc, je vais vous laisser avec ce générique de fin. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour Mass Effect 2 et Final Fantasy 8. Et puis voilà, je sais pas trop comment clôturer ça. Je m'attendais pas à le terminer aujourd'hui, le jeu, hein, pour tout vous dire. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de le faire. Et puis, j'espère que je l'ai fait découvrir à certains d'entre vous et que je vous ai donné envie d'y jouer. Et puis, j'espère que le let's play vous a plu. En tout cas, on n'en a pas terminé et ça fait beaucoup de j'espère. Je sais pas comment terminer ça. Et donc, je vais dire tout simplement un au revoir et un grand merci à tous ceux qui ont suivi le let's play. Et puis, je vous donne rendez-vous demain pour du Mass Effect 2 ou du Final Fantasy 8. Je ne sais pas encore. On verra bien. En tout cas, à bientôt tout le monde. Bye bye.